Bonjour, bonjour. Du coup, je me retrouve à vous faire une petite intro pour les énergies de la semaine, car vous allez voir la façon dont je les ai tournées. En fait, j'étais en train de vous exprimer le fait que, comme je l'avais déjà exprimé, j'étais plus sûre de vouloir faire des énergies au quotidien. Je sais que certains seront tristes. Ben voilà, moi c'est quelque chose qui ne me comble plus parce que j'ai l'impression que ça me ferait trop si je vous fais les énergies du quotidien et que j'aborde les thématiques que j'ai envie d'aborder. Ok, donc là je vous ai fait des énergies de la semaine en deux possibilités. Donc je ne sais plus laquelle est laquelle. Je crois que ça c'est le premier choix. Donc c'est la Célestine, la pierre des anges. Et ici c'est l'opale verte dont j'avais annoncé des propriétés que m'avait donné mon ami Juan. Et en fait, il semblerait que ce soit une pierre qui augmente les défenses immunitaires. Lui m'avait dit que ça aide à passer à l'action. C'est un gros résumé. En fait, ça aide beaucoup à se calmer. Et puis certainement, la résultante, c'est de passer à l'action. Voilà, donc opale verte ou Célestine. Autour de, du cou, j'ai un collier de d'améthyste. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à aller directement, je crois que c'était à partir de 38 minutes et quelques. Je pense qu'à 39 minutes, vous êtes bien pour le deuxième tirage. Alors, ben, je vais vous lire ce que j'ai pris pour le premier. Pour le deuxième, puisque j'ai noté tout ce que j'avais pris. Alors, pour le tas de la Célestine, j'ai tiré les portes de l'intuition, la triade, l'oracle du chaman celtique, l'oracle G et l'oracle du miroir. Et pour le deuxième choix, donc cette pierre, l'opale verte, j'ai pris l'oracle de Marie, d'Alana Fairchild. Les 77, l'oracle de Jenny, l'améthyste Love et l'oracle des artisans de lumière. Donc il est clair que le deuxième choix, c'est beaucoup plus orienté amour. Voilà. Mais écoutez, choisissez ce qui vous plaît. Je vous souhaite une bonne semaine et je suis ravie de vous retrouver sur des thématiques, puisque j'ai plus envie de bosser sur des thématiques que sur tes énergies du jour, parce que des fois, d'un jour sur l'autre, bah, ça évolue pas des masses. Voilà. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite un excellent tirage pour votre semaine. À très vite sur la chaîne de Didi. Merci et si vous me découvrez et que vous aimez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si vous pensez que ça peut apporter quelque chose à quelqu'un. Merci beaucoup. Bonne semaine. Bonjour, on se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine. Donc, je suis toujours en réflexion de savoir si j'arrête les énergies du jour. Pour le moment, je n'ai pas tranché. Je pense que je vais continuer de faire des vidéos courtes sur les énergies du jour, mais je ne sais pas si je vais continuer ad vitam aeternam. Et puis, je vais peut-être vous faire voter justement pour savoir si vous préférez que je continue les énergies du jour. Parce qu'en fait, si vous voulez, je me rends compte que des fois, même si je fais les énergies du jour, j'attaque une thématique que j'ai envie de traiter. Et quelque part, je me demande si, avec des énergies de la semaine bien paramétrées, vous ne pourriez pas avoir suffisamment d'éléments. Et puis après, aller voir les questions qui vous intéressent, hein, puisque je continuerai de faire des tirages. Mais c'est beaucoup de faire des tirages. J'aime bien. Vous allez voir ce qui s'est retourné. C'est beaucoup de faire des tirages quotidiens plus des tirages thématiques. Voilà. Et puis là, par rapport à la rentrée des classes, hein, la rentrée de la Vierge, j'ai envie de me laisser du temps pour faire des choses qui comptent pour moi et puis qui comptent pour vous, mais peut-être. Bref, de répartir mon énergie autrement. Alors ici, la première carte qui nous parle de réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Bon, ben moi, c'est clair, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous faire moins de jours. Je continuerai les nouvelles lunes et les pleines lunes, puisque je trouve que c'est vraiment des axes, hein, des grosses influences. Mais ici, j'ai plus envie de vous faire des thématiques que du quotidien. Voilà. Puis en plus, j'ai rajouté pas mal de choses. Et après, je ne sais pas si vous êtes perdu par rapport à ce que je propose. Mais là, je faisais par quinzaine et par mois. Puis on me demande. Enfin, c'est quand même beaucoup déjà, je pense.
Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire et regardez le petit cœur qu'il y a au milieu de cette ampoule. Donc si vous avez besoin d'une réponse, la voilà. Alors on parle de réparation pour cette semaine et d'une bonne nouvelle. Ici, il peut y avoir une réponse, pour moi une réponse, pas forcément quelque chose de... Ici, pour moi, ce n'est pas forcément une réponse à une question que vous venez de poser. C'est peut-être une réponse à une question que vous vous êtes posée il y a quelques semaines. C'était peut-être avant les vacances. Et c'est une réponse... Je suis en train de réfléchir que je ne vous ai pas dit. Je vais faire deux tirages. Donc là, j'ai attaqué le tirage. Vous verrez si ça vous plaît. Donc j'ai... Tiens, on ne voit même pas le truc de Titi. Mais qu'est-ce que... Comment se fait-ce? Donc là, ce sera le tirage, le premier tirage pour ceux qui ont choisi la Célestine, la pierre des anges. Et ici, ben, je ne connais pas son nom. C'est une pierre dont les propriétés permettent de passer à l'action. Alors, je fais ça non pas parce que je crois que quoi que ce soit, hein. Je fais ça parce que j'aime bien l'odeur. Et que mes cartes, elles puent. Non, je déconne. C'est pour embêter les gens. Non, j'adore. Je me rappelle plus du nom du bois, mais il a une superbe odeur. J'adore, j'adore. Je kiffe. Donc, on y va pour ceux qui ont choisi la Célestine. On y va pour le tirage de cette semaine. Donc ici, vous allez avoir une réponse, peut-être une réponse que vous n'attendiez plus, et c'est une réponse qui va peut-être réparer un bobo. Ici, on vous dit que ça va être une bonne nouvelle, hein. Je vais me remettre les choses dans mon sens. Voilà. Pour kiffer, moi aussi. Retourne ton téléphone si tu veux voir les choses à l'endroit. Alors ici, on vous dit qu'il va y avoir une réponse qui va vous apporter une réparation. Et ici, on vous rappelle que dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc ici, on vous rappelle que si quelque chose dans votre environnement est cassé, vous avez deux choix. Soit vous réparez, soit vous faites réparer, soit vous vous en débarrassez. Soit vous réparez, soit vous vous en débarrassez. Donc soit vous le donnez à un endroit où ils peuvent réparer, hein, il y a beaucoup d'endroits maintenant, ou soit vous le mettez à la poubelle. Ok? Donc là, c'est peut-être aussi que certains d'entre vous auront la réponse parce qu'ils vont prendre le temps de réparer des choses qui ne fonctionnent plus, de sentir une fluidité, quelque chose qui se remet en route, qui leur permet de retrouver un mouvement. Avec la carte de la bonne nouvelle, on vous dit en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. On vous dit que plus vous faites ça, plus vous aurez de bonnes nouvelles. Et la réponse, on vous dit aussi que c'est la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc ici, on vous dit que les avancées... Oh purée, il faut vraiment que j'aille courir. Les avancées, elles... Et en plus, c'est marrant, il faut vraiment que j'aille courir. Les avancées, elles vont avoir lieu pas seulement parce que vous êtes capable de vous remettre en question, elles vont avoir lieu parce que vous savez qui vous êtes et vous vous appuyez sur vos forces pour avancer. Et vous reconnaissez vos qualités. Donc la réponse est la volonté. Avec la bonne nouvelle, on va tirer une carte de l'oracle du chaman mystique. Pour la Célestine, oui, c'est vrai que je n'ai pas dit ce que j'allais faire. On verra si j'ai le courage de tout relater à l'écrit. On vous parle du tambour et on vous parle des anciens. Et je ne te raconte pas comment ça gargouille à l'intérieur. Ici, pour moi, avec l'histoire du tambour, il y a vraiment une notion de retrouver son rythme intérieur. Alors là, je ne dis pas, je n'ai pas encore lu le bouquin et d'ailleurs, je ne sais pas si je vais le lire. Je reçois des messages qui me sont inspirés par ces cartes et du coup, bah, je vous dis ce que j'en pense. Ici, pour moi, il y a une notion de rythme, de remettre un rythme aux choses, de redonner un rythme. Et pour moi, c'est les rythmes, au début, le rythme de la vie, hein, c'est les battements du cœur. Ici, on se reconnecte à son propre rythme et c'est comme, tu vois, tu vas t'acheter un costume ou un ensemble qui te correspond et tu vas pas essayer d'être bien foutu pour rentrer dans l'ensemble. Tu vois que tu sais pas pour qui il a été fait ou par rapport à quoi en fait, hein.
J'ai envie de te dire, ici, le nombre d'or, c'est toi. Et ici, c'est pareil, mais c'est au niveau du temps et c'est au niveau du rythme. En fait, ici, on vous demande de revenir comme si c'était à la mémoire des anciens pour avoir cette semaine le maximum de force. On vous dit, plus tu te recales sur ton rythme et sur le rythme des anciens, ici, il y a une demande profonde de revenir aux sources. C'est comme si on te demandait de faire fi du passé, de mettre de côté tout ce qu'on t'a appris, j'allais dire même tout ce qu'on t'a vendu pour aller vers toi. Donc avec le tambour et les anciens, on retrouve un rythme, j'allais dire archaïque. Il y a cette notion-là, mais il y a vraiment aussi cette notion de derrière cet archaïsme, retrouver une force. Alors on y va. Énergie de la semaine, donc ce sera les énergies de la semaine du 17 août. Oh, bah dis donc. Ici, on a, je pense qu'il y a de la résolution de, j'allais dire, petits soucis, mais ici, alors attends, je pose. Il y a eu des petits soucis. Et pour moi, il y a cette notion de pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Mais il y a aussi cette notion d'espoir. Il y a des choses qui vont se résoudre seules. Et de l'autre côté, c'est comme si certains d'entre vous avaient l'impression d'être observés par quelqu'un d'autre et que ça leur fout une pression de dingue. Merci de nous donner un message clair pour ceux qui ont choisi la Célestine. Pour la semaine du 17, au combien d'août? 17, 18, 19, 20, 21? Ouais, au vendredi 21. Elle compte bien, Didi? Pas de 10 calculé, je plaisante. 10, bienvenue! Ici, on nous reparle toujours de mettre en ordre, de communiquer, d'effacer. D'effacer. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Il y a certaines personnes auxquelles ça parlera. On vous dit d'effacer vos communications et vos échanges. Ici, j'ai des gens qui vous aident. Qui vous aident à retrouver une stabilité. Ouais, regarde-moi ça. Oh, puis en plus, j'ai la stabilité avec l'éléphant, là. Wow! Ouais. Ici, il y a vraiment quelque chose qui nous permet de retrouver un équilibre, hein, si vous avez choisi ce tas. Et ici, pour moi, je ne sais pas pourquoi je regarde le cucu de l'araignée, mais il va en sortir quelque chose de bon, là. Vous allez faire quelque chose. Vous allez en faire de la soie, les enfants. Vous allez faire un beau tissu. Y a des gens qui ont pu être malades, là, ou se rendre malades. Hein. Oh! Oh! Ici, après, en fait, j'ai des gens qui ont mis de la distance par rapport à des personnes qui les ont volées, blessées, trahies. J'ai peut-être même des gens qui vont déménager de l'endroit où tu vois qu'ils sont obligés de partir. Et ici, j'ai le fait de retrouver une stabilité et quelque chose de très important, hein. Mais en fait, ici, j'ai des gens qui vont retrouver une stabilité. Ça peut être un truc qui va durer toute la vie, là. On parle aussi d'étapes. On parle aussi de la ville. On parle aussi d'une administration. Donc, il y a peut-être des résultats de procès, de procédures. Alors, ici, on peut être dans acte notarié. On peut être dans tout ce qui est vente d'entreprise. On peut être aussi dans le fait d'acter un mariage ou un divorce, ou de, comment dirais-je, de mettre à jour, tu sais, tout ce qui est héritage, succession. Waouh! Waouh! Donc ça, c'est soit un lion, une lionne qui vous fait un cadeau. Ah, purée. Pour moi, j'ai des gens qui ont fait des choix et qui peuvent sortir. Des choix qui transforment une situation et qui peuvent sortir d'une forme d'indécision. Ici, on va vers sa richesse. Hein. Quelque chose de magnifique. Hein. Yeah. Ouais. Ouais.
Pour moi, ça, c'est derrière vous. Les hésitations, c'est derrière vous et on vous soutient en fait. Alors, on vous soutient pour... Ici, vous allez aller vers le bien-être, vers la sérénité, vers des relations amicales ou même vous allez être tendre avec vous-même. Il y a des petites rentrées d'argent ici, mais pour moi... Ici, l'acte juridique ou ce que vous allez mettre en place ici, c'est comme si on était tranquille pour toute sa vie. Ici, c'est comme si, par exemple, vous revoyez votre... Ah merde, votre succession. Mais genre, vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Il vous arrive n'importe quoi, vous savez que ce que vous avez mis toute votre vie à gagner peut-être reviendra aux êtres auxquels vous voulez que ça revienne, aux êtres chers à vos enfants. Voilà. Ici, j'ai des gens qui sont passés par des moments très difficiles hein, et qui retrouvent une stabilité grâce à cet acte. Alors, il y a cet acte de vente, il y a cet acte notarié, il y a le fait d'acter. Pour moi, c'est soit, par exemple, il peut y avoir eu un conjoint qui est mort et on peut avoir mis du temps à récupérer soit la jouissance d'un bien. Soit mettre en place ce qui avait été mis en place, soit acter la vente du bien et puis que chacun récupère ses deniers par rapport aux enfants de l'autre ou par rapport peut-être aussi à vos enfants. Et ici, c'est comme si ce qui va vous aider, ce qui va vous soutenir en profondeur là, à tenir le choc. Hein, j'ai vu qu'il y avait des gens qui me disaient qu'on était dans des situations difficiles. Là, on a besoin d'être un guerrier lumineux. C'est le fait de respecter votre rythme et de vous caler sur des rythmes, j'allais dire, anciens, quelque chose d'ancestral, quelque chose qui est votre colonne vertébrale, votre pilier, hein, quelque chose qui vous soutient vraiment. Alors... Ici, je peux avoir un lion, une lionne, ascendant lion, hein, tout ce que vous voulez, ascendant éléphant, non, je plaisante, qui va vous faire un cadeau, ou alors j'ai cette stabilité qui vous avait fait bisquer ici, parce qu'on était en manque de stabilité, qui revient, qui vous donne une force terrible. Et ici, pour vous, alors, j'ai des gens qui peut-être qui avaient besoin d'être indépendants. D'être indépendant, pardon, qui retrouve une stabilité comme un cadeau. Mais ici, j'ai des gens aussi qui... en fait, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous regarde de loin et qui attend que vous alliez bien. Alors, il n'y avait peut-être pas que des gens qui attendaient que vous alliez bien, hein. Mais il y a des gens qui, même s'ils ne se sont pas signalés, qui vous envoient de bonnes ondes. En tout cas, ici, j'ai quelqu'un qui retrouve son indépendance et sa force, hein, et c'est un cadeau. On a réglé des problèmes de sous, des problèmes de papier, des problèmes de communication. Il y avait, c'était peut-être lourd, c'était peut-être long. Ici, pour moi, ça peut correspondre à des héritages, hein. Il y a les ancêtres, il y a le tambour, donc il y a le rythme du temps. Ici, vous pouvez aussi, pour certains, avoir perdu, le patriarche, le grand-père, le papa, le fondateur de la famille ou la personne qui a le plus de charisme et que du coup, ça vous ait fait perdre pied un moment ou beaucoup. Ah, ici, peut-être certains d'entre vous ne se rendaient pas compte. Combien quelqu'un avait pu compter et avait pu structurer leur vie et peut-être même construire un empire. Hein. Ici, on a quelque chose qui est stabilisé et on va pouvoir y aller par étapes. Ça a peut-être été un peu houleux ce chemin, mais regardez ce qu'on trouve. La paix et l'élévation. Donc c'est vraiment, vraiment superbe. Ah, regarde-moi ça, c'est beau. Ici, j'ai la personne qui est partie qui vous fait coucou. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Ok? Voilà. C'est beau. Alors, où en étais-je? Je suis un petit peu perturbée du coup. Ah, et c'est bien de revenir à les pieds bien à plat. Parce que, en fait, pour ceux qui s'entraînent à lire les cartes, il faut pas. On peut être un peu chamboulé dans l'émotion, il y a l'intelligence émotionnelle, mais pour bien interpréter, pour donner une interprétation qui soit pertinente, que ce soit pour vous ou pour les autres, c'est de revenir à une certaine neutralité. Hein? Ok? Voilà.
Donc là, ici, il y a peut-être des gens qui ont été très, très attentifs à ce que quelque chose progresse ou alors qui se rendaient malades d'être encore en ville. Hein, ici, il va peut-être y avoir un cadeau de stabilisation financière qui va permettre de bouger. Ici, avec le lion, j'ai aussi l'histoire de retrouver une certaine forme de savane. Je vais battre les cartes et puis je vais vous dire la suite. Et c'est bon, hein. C'est une évolution qui va vers vraiment beaucoup plus de sérénité ici. Si ça vous parle, hein, c'est qu'on va vers du mieux. Ouais, donc il y a eu de l'espoir. On a retrouvé de la force par rapport au règlement de papier, d'avoir terminé de boucler des dossiers. Et on a une stabilité ici. C'est-à-dire, on peut tout faire. Ici, j'ai un homme qui donne des nouvelles, hein. Alors, soit ça peut être vous aussi qui donnez des nouvelles. Donc ici, pour moi, puisque je fais le sens le tirage dans le sens de moi, n'est-ce pas? On a le ou la rousse. Donc ici, c'est pas le chauve. Enfin, tu fais comme tu veux. Mais ici, on peut avoir des nouvelles si vous êtes roux, si vous êtes rousse ou si vous êtes amoureux d'un roux ou d'une rousse. Là, clairement. Alors, c'est peut-être aussi par rapport à. On retrouve ce papy, hein, mais il y avait aussi un diagnostic. Ici, il va y avoir quelque chose à fêter. Alors, c'est peut-être par rapport à un héritage. Et c'est marrant parce que je ne sais pas pourquoi le papy, ça peut être un papy roux aussi. Papy roux. Papy roux. Ricoré. Ici, c'est possible aussi que vous ayez des signaux de quelqu'un. C'est-à-dire, si vous avez perdu quelqu'un, que vous puissiez demander, genre, pour savoir si ce que vous avez reçu comme signal ou si c'est bien la personne qui vous aide. Que vous. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On dit, par exemple, je me mets d'accord avec l'univers. Si je vois une image de tigre ou une image de lion, ça veut dire que c'est ça. Et si je vois une image de, je sais pas quoi, ce que vous voulez, ça veut dire que c'est ça. Et vous allez voir. Mais vous pouvez demander des trucs hallucinants, hein, un perroquet, un zèbre. Et par contre, il faut lâcher prise. Vous vivez votre journée et puis vous aurez votre réponse. D'accord? Et ici, c'est peut-être ça. Ici, c'est le fait d'avoir des nouvelles, c'est le fait de communiquer aussi. Alors ici, il y a des communications par rapport à un ou une rousse, à propos d'un voyage ou d'un changement d'état d'esprit par rapport à une amitié, quelqu'un de loyal. Ouais. Ici, j'ai quelqu'un qui a été peut-être en convalescence ou qui a pris du temps pour se reposer à la campagne, hein. On va peut-être avoir des nouvelles aussi par rapport à un boulot. Il y aura un choix à faire pour le ou la rousse. Et ici, c'est un choix qui peut faire énormément jaser, mais ça peut être aussi quelque chose de l'ordre de la transformation. Juste derrière, j'ai une femme. J'ai une femme et cette femme n'est pas toute seule. C'est... Oh! Alors, c'est très rigolo parce que j'avais cette femme comme ça, donc avec une amie. Si c'est une brune, elle était avec une amie blonde, mais vous savez que la couleur des cheveux, hein, plus on vient de parler d'un ou d'une rousse. Donc il y a du monde, ça nous parle de diversité. Et ici, regardez, j'ai quelqu'un qui peut vous apporter une bonne nouvelle. Donc ici, ça peut être une avocate, ça peut être une notaire. En tout cas, on nous parle de toucher une grosse somme d'argent. Et c'est peut-être ça qui vous permet de changer complètement d'état d'esprit. Ici, on retrouve son indépendance, sa stabilité, alors que peut-être on a traversé une période difficile. Et ici, ça vous permet de faire des choix. Et c'est comme si certains, certaines avaient traversé une période tellement difficile qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Et là, on y va. On s'en fout que ça jase. C'est ce que vous voulez faire. Ici, j'ai des gens qui sont fidèles à eux-mêmes, fidèles à leurs rêves. On y va à fond. Oh, j'adore. J'adore. Alors, pour la Célestine, on va demander l'amour. Correspondance. En tout cas, on a des échanges. Oh, dis donc, ça parle, hein? On rêve. Alors là, c'est peut-être, on vous dit, les gens sont peut-être un peu parfaits par rapport à la communication. On vous invite à vivre les choses peut-être plus dans le concret quand vous serez plus disponible, hein? On vous dit là, faut expérimenter. Alors, la carte qui est tombée, c'est famille. Ici, j'ai des gens qui rêvent de reconstruire une famille. Et on parle de ça. Ici, il y a aussi des correspondances par rapport aux rêves de vos familles respectives. Oh, dis donc,
Il y a de la jalousie qui ressort, donc c'est pas anodin. J'ai quelqu'un de votre entourage, là ça peut être un. Alors, à mon avis, ça m'étonnerait que ce soit un frère. Ça peut être une sœur ou une meilleure amie qui n'est pas très contente que pour vous, les choses tournent. Et on vous demande de prendre les choses en compte. Ou ici, monsieur, vous pouvez retrouver quelqu'un que vous aimez. Et ici, il y a quelqu'un qui était soi-disant une amie, mais qui voulait plus et qui est dégoûté. Vous avez peut-être eu l'impression d'avoir quelqu'un qui vous conseille, mais en fait, cette personne, elle vous voulait vous, elle ne voulait pas votre bien. Ça marche pour un homme ou pour une femme, hein. Et dans les deux sens. C'est-à-dire, soit vous êtes la personne, bah, vous pouvez être la personne qui est jalouse, mais vous pouvez être l'homme ou la femme et avoir quelqu'un dans votre entourage qui est amoureux de vous et qui vous fait croire que c'est votre ami et qui, du coup, vous dit non, mais cette personne. Non, mais il faut laisser tomber. Ouais. Ici, on vous dit que ça vous a peut-être mis du temps à comprendre. Hein. Ouais. Ça va évoluer. Ouais, parce que vous avez besoin de vous projeter, vous. Et c'est comme si vous vous rendiez compte que les conseils de ce ou cette bonne amie ne vous ont pas permis tellement d'avancer. Et c'est comme si cette personne, en critiquant votre famille, pour plus ou moins aller dans le sens de vos accusations, peut-être que vous vous reprochiez quelque chose à votre famille et tout. Attends 2 secondes que je remets les choses. Cette personne, en fait, elle vous a fait croire qu'elle allait dans votre sens, dans le sens de votre bien-être. De temps en temps, en fait, elle flatte vos défauts. Elle flatte le fait quand vous vous engueulez avec votre famille. Oh oui, c'est des andouilles, c'est des. Bref, elle va un peu dans le sens du vent et elle bloque quand vous avez des doutes de vouloir retourner vers une personne avec laquelle ça pourrait vraiment coller. En fait, elle s'inquiète juste de savoir si elle va continuer de vous voir, si elle va pouvoir continuer de compter sur vous et puis aussi peut-être d'avoir ce rôle de sauveur, de sauveuse. Hein, de vous ramasser à la petite cuillère. Parce que finalement, c'est comme si on se rendait compte que là, il y a un ou une amie qui est en fait très content quand vous vous vautrez au niveau amoureux. Parce qu'en fait, il ou elle vous a tout pour elle. Ou tout pour lui. Ok? Ici, on vous parle d'un homme. Alors ici, ça peut être la jalousie vis-à-vis de... Alors ici, j'ai un homme qui est peut-être... Ici, j'ai un homme qui est tourné vers le passé. Il y a des accusations. On va changer d'état d'esprit par rapport à ça. Mais en fait, je pense que le fait que vous changiez vous, que vous fassiez des choix où vous n'en avez plus rien à faire de la jalousie des autres, le fait d'amorcer ça dans le matériel, je pense que vous n'allez plus rien avoir à faire non plus de la jalousie des autres par rapport aux amours. En ce moment, j'ai tout qui soutient tout. C'est comme si, même si on est dans des domaines de vie qui ne vont pas ensemble, il y a la victoire, hein. Alors ici, c'est une énergie masculine qui peut être d'un homme ou d'une femme. Alors c'est marrant parce qu'il y a eu de la jalousie. Ici, j'ai quelqu'un qui a manifesté. Alors on peut être aussi dans une histoire d'amour. Il y a une logique de tierce, mais ça peut être une drôle de tierce. C'est-à-dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir un ami ou une amie qui prend trop de place ou qui influence trop. Et ici, on s'en est pas rendu compte, mais ça va évoluer. Et ici, c'est même vous qui pouvez être jaloux et du coup, ça a flingué une histoire qui était en cours, qu'on va bien examiner. Mais ici, il y a des paramètres qui ont changé justement par rapport à la famille. Et pour moi, ici, c'est une notion d'héritage ou une notion de comprendre l'évolution de la famille et comment ça se passe. Et ici, on trouve sa place dans la famille. Il y a des choses nouvelles qu'on a comprises. Là, ça peut être ces dernières semaines, ce week-end, suite au décès de quelqu'un. Eh ben, dis donc, là, il y a un boomerang, quelque chose qui revient après une séparation. On va comprendre. Waouh! Là, il y a un travail qui est terminé ici, hein. Ça peut être un travail sur vous, ça peut être un travail d'enquête sur qui vous pouvez compter.
Ah, ici, j'ai des hommes qui ont réglé un problème de travail. C'était tourné vers le passé, mais pour moi, c'est la fatalité que ça devait se terminer. Et j'ai quelque chose, c'est comme si certains avaient été chez un thérapeute. Ils ont réussi à trouver une nouvelle place dans leur famille qui leur permet d'évoluer et d'évoluer aussi sur le plan du travail. Ouais. On va reparler d'une séparation ou de quelque chose qui vous a fait prendre beaucoup de retard. En fait, j'ai un homme ici. En plus, regarde, il y a du travail là, du travail ici. Ouais. J'ai un homme ou une énergie masculine qui va remporter une victoire par rapport à quelque chose qui n'a pas marché précédemment au niveau du travail. Alors, on peut être épaulé par sa chair et tendre, hein. On peut être épaulé aussi par une personne, alors par sa chair et tendre, soutenue affectivement. Ici, on peut être épaulé par une personne de loi, une notaire, une avocate. Ici, c'est quelqu'un qui peut vous conseiller aussi par rapport à l'argent. Ne vous focalisez pas sur le sexe ni sur la couleur des cheveux, hein. N'est-ce pas? J'ai un problème qui a eu lieu avant, au niveau du travail, que quelqu'un va résoudre. Et ça va permettre de débloquer plein de choses. Alors c'est marrant parce que je pensais vous parler d'amour. Parler d'amour. On y va avec la triade. Bah, peut-être qu'on va nous parler d'amour avec la triade. Là, c'est comme si certains, certaines. En fait, c'est le rêve familial, il s'assoit sur quelque chose de matériel, hein. Et du coup, c'est le fait de débloquer au niveau du travail, du brosouf, des sous, du patrimoine, qu'on va pouvoir. Waouh! Ici, j'ai pénitence, émotion et pardon. J'ai aussi cette notion que de l'eau a coulé sous les ponts. Ou peut-être que vous comprenez que vos rêves n'étaient pas les vôtres. J'ai un voyage vers une femme, là, de la réussite parce qu'on est sage. Et j'ai aussi quelque chose, en fait. Oh purée, paix foudre, frère. Ici, j'ai des gens en fait qui savent ce qui les met en paix. Ici, j'ai même des personnes qui ne sont pas avec quelqu'un et qui, quand ils pensent ou quand elles pensent à cette personne, retrouvent leur calme. Mais c'est genre, c'est comme si tu avais ta minute Stéphane, ta minute Laurent, et c'est, tu te ressources à fond, quoi. Ou Gustavine. Waouh. Énergie. On s'est isolé pendant longtemps ici, hein. On va pardonner à quelqu'un d'avoir été sur la défensive, hein. Ouais, j'ai des gens qui sont restés dans le silence pendant longtemps. Femme, réussite, sagesse. Si ça te parle. Ouh là là! Donc, silence, retour, un retour qui a pris du temps. Donc là, je ne sais même plus quand est-ce que je le disais, si c'était dans les énergies du week-end. Ici, j'ai des gens qui se sont pardonné leurs erreurs du passé ou qui avaient besoin de faire ce processus, j'allais dire en interne, avant de pouvoir continuer quelque chose d'autre. Ici, pour moi, j'ai des gens qui ont soit trahi ce à quoi ils s'étaient engagés sur le plan de la famille. Alors, ça peut être par rapport aux parents, ça peut être aussi par rapport à la famille qu'ils avaient créée. En tout cas, il y a ce besoin de se pardonner. Et il y a aussi le fait, c'est ce que je vous expliquais, de trouver sa place, hein. Quelle place tu as dans la famille de laquelle tu viens? Quelle place tu as dans la famille? Oh, c'est de l'améthyste. Dans la famille que tu as construit en fait. Et c'est vraiment quelle place tu as dans la famille de laquelle tu viens. Et en même temps, on vous dit aussi quelle place tu prends aujourd'hui avec ton expérience. Et c'est pareil, dans la famille que tu as construite, quelle place tu prends. Ici, j'ai des gens qui sont en train de pardonner, de s'être punis, ou alors qui sont en train d'échanger avec quelqu'un pour se faire pardonner et qui expliquent leurs rêves un petit peu épurés, ou alors justement qu'on a dû nettoyer ses rêves, passer à autre chose. J'ai des gens aussi qui peuvent avoir récupéré beaucoup d'énergie de, comment on dit, générer de la jalousie dans leur rapport, qui avaient besoin pour savoir qu'ils ou elles étaient aimés, te rendre jaloux, jalouse.
C'est peut-être ça. Et ici, on a peut-être des gens qui ont été jaloux parce que vous étiez trop dispersés, vous avez été sur plusieurs thématiques en même temps, ou alors c'était vous qui étiez jalouse que la personne ne vous accorde pas assez de temps, pas assez d'importance. On s'est isolé pendant longtemps, que ce soit vous, que ce soit l'autre. L'évolution, on a pour moi baissé les armes, hein. On a cessé d'être agressif ou peut-être cessé d'être très sur la défensive. Ici, j'ai un homme qui est resté pendant longtemps dans le silence et on a une victoire et le retour. Il y a un retour qui a pris du temps. Alors, par contre, on ne nous dit pas, on va rediscuter d'une séparation. Alors là, c'est ce qu'on avait pour ce week-end et peut-être de quelque chose qui a été pris pour une trahison. Ici, c'est marrant parce qu'on a quand même la carte de la femme, de la réussite et de la sagesse. Et ici, on a femme, distance, sexualité. Waouh! Miroir magnétique, réunion, je t'en passe, et des meilleurs. Il y a quelqu'un avec qui on se projette. Hein. On se projette et l'examen est positif. Donc ici, c'est soit quelqu'un qui a attendu d'être complètement disponible pour retourner vers un homme ou une femme qu'il ou elle aime, parce qu'on avait besoin de franchir des étapes psychologiques, familiales, etc., même matérielles et financières. Et ici, j'ai peut-être des femmes qui vont se féliciter cette semaine. Alors, soit par rapport à leur réussite personnelle, parce qu'elles ont récupéré leur autonomie financière, etc., etc. Mais il y a aussi le fait de réussir et d'avoir la sagesse de renaître de ses cendres, hein, de faire sa vie. Ici, j'ai des gens qui peuvent se retrouver aussi après avoir mis de la distance. Pour moi, ici, tout le monde a bossé sur soi, hein. Ouais, et il y a des gens qui ont laissé chacun faire son travail. Alors, bah écoute, ça fait déjà 33 minutes, hein, je trouve que c'est bien pour le... Oh, ici on parle de compromis, hein, il y a peut-être des... Alors c'est peut-être une semaine de compromission, mais c'est peut-être aussi que certains ont accepté de... Le point de vue de l'autre, de ne pas... ou de leur responsabilité d'avoir interprété les dires ou le comportement de l'autre, c'est ça aussi. Parce que là, il va y avoir une explication par rapport au silence, par rapport à la défensive. Oh, bah dis donc, j'ai... Oh là 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 là, je ne raconte pas en plus où je l'ai rattrapé. Mon Dieu. Les amoureux. Donc là, c'est vous. Donc... Ici, clairement, on me parle de compromis à faire sur les émotions de ce que vous avez pu ressentir par rapport à quelqu'un, par rapport à qui vous étiez hésitant. Mais moi, pour moi, dans cette position-là, c'est vous, c'est votre énergie et je pense que vous êtes amoureux, amoureuse, vous avez rencontré votre âme sœur. Ici, on me dit que l'autre personne est guidée. Ouais. Elle est accompagnée. On me parle de lutte dans le mental. Non, guidé, au carré. On va comprendre, hein, de toute façon. L'univers vous guide, vous allez avoir la réponse et la volonté d'avancer. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. En tout cas, moi, je pense les deux. Il y a beaucoup de compréhension, on retrouve cette carte de vision nouvelle et d'achèvement, hein. Alors, il y avait du stress là. Moi, le petit loup. Alors, attends, il y en avait trop. On se termine. Ouais, les énergies en interaction, peut-être qu'on se bastonne. Hein. Peut-être que. Mais ici, ça peut être de la baston intérieure. Hein. Je lui dis pas, j'ai les longes. Ah, ici, le ralentissement. On parle de connecter à la plénitude ici. Le ralentissement, c'est le fait de comprendre. Alors. Ça, c'est vous, peut-être vous êtes hésitant, mais pour moi, je perçois le fait de se punir un peu d'aller vers ses amours parce que, comme si ça vous dispersait trop au niveau énergétique, ouais, mais je perds trop d'énergie. On vous demande de faire un compromis, hein. Un compromis parce que la punition ça va plus et vous avez besoin d'être soutenu, même par rapport à tout, même si vous êtes très indépendant, indépendante. On vous dit là, accordez-vous le besoin que vous avez sur le plan de l'amour. Et c'est même pas amoureux, on parle d'amour quand même profond. Si on parle de quelqu'un qui est mature, hein, vous avez mûri, l'autre a mûri. On va vers son succès. Hein. Mais on avait besoin de passer par cette phase de solitude parce qu'on avait besoin de savoir si c'était bien notre idée, notre
C'est la seule arcane majeure. Hein. Donc déjà, paf. Donc là, c'est ce qui compte. C'est vous. Vous aimez quoi? Vous allez vers quoi? Vous, voilà. Vous assumez quoi? Ici, en face de vous, j'ai une personne qui est guidée, qui est connectée, et on est peut-être en lutte avec l'autre, ou en lutte avec soi, ou on a l'impression d'être en lutte avec l'autre, ou on se bastonne. Mais pour moi, il y a vraiment une notion de on se comprend pas. Même si on dit la même chose, même si on parle de la même chose, même si on est d'accord, il y a une notion. Regarde-moi ça, si elle ressort à ce moment-là. Ici, si tu as de l'amour pour l'autre, si tu sais d'une façon même irrationnelle que l'autre a de l'amour pour toi, je ne te dis pas que l'autre a le droit de te faire du mal, mais il y a peut-être un truc, si l'autre est plus axé sur la forme et toi sur le fond ou l'inverse, prenez le temps de vous écouter, parce que là, il y a beaucoup trop de pression, parce qu'il y a beaucoup trop de sentiments. Hein, on a trop peur d'être déçu. Je sais pas pourquoi j'ai tiré une carte sur l'autre, on a la confiance et le créateur. Vous êtes accompagné là. On vous rappelle votre notion de divinité. Et ici, on vous dit que qui vous êtes devenus tous les deux, hein, c'est le fait d'être capable d'être soi-même dans n'importe quelle circonstance. Et là, on vous rappelle que vous créez votre vie. Vous créez votre vie. Et là, de mettre en place une relation de confiance. Oh, purée, vous êtes guidé. Vous êtes guidé. C'est cette personne que vous devez retrouver. Là, il y a un achèvement. On a fini quelque chose. On est arrivé au bout. Il y a une compréhension. Et je revois les cartes du début du tirage, c'était la volonté d'avoir la réponse. Et là, vous allez la voir, la réponse, vous la trouvez, la confiance. Alors, on est à 38 minutes 38, c'est un signe. On va passer au... C'était quoi le deuxième tas? La carte qu'on ne connaît pas, la carte, la pierre qu'on ne connaît pas. Oh, dis donc, ça colle ces cartes. Je ne m'attendais pas à faire un tirage aussi long. Mais écoute, voilà, ce sera le tirage de la semaine. Et donc, bah écoute, en plus, moi j'ai eu ma réponse. Donc la réponse, bah, c'est je vais faire. Je vais suivre mon feeling. Non, puis je préfère vous faire des tirages sur des thématiques plutôt que des tirages par jour. Parce que des fois, les énergies ne changent pas beaucoup tous les jours. Comme ça, après, vous allez sur les thématiques qui vous intéressent. Et tout est parfait. Puis j'aimerais me consacrer un petit peu plus à l'écriture et puis vous accompagner un peu plus dans ce sens pour ceux qui le souhaitent. Voilà, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Alors, ici, j'ai décidé de ne pas prendre du tout les mêmes jeux. Donc tout ce que j'ai pris, je ne vais pas le prendre. Donc ici, il y avait les portes de l'intuition. Le 1, 12. La triade. L'oracle du chaman mystique, l'oracle G et l'oracle des miroirs et le tarot zen d'Osho. Je vous mettrai tout ça. Et du coup, pour vous autres, alors attends, parce que je ne sais plus où je l'ai mis. Voilà, on va prendre, je vais pousser la plante. Hop, l'oracle bleu. Le rêve bleu. Bon, tout ça, je n'en aurai plus besoin. Je vais les mettre là-bas. Ah. Donc, deuxième tirage. La pierre qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est, mais qui aide à passer à l'action. Voili voilou. Je vais vous prendre l'oracle des artisanes de lumière d'Alana Fairchild. Superbe. L'oracle de Marie. Et on va commencer par ça. Je prendrai aussi l'oracle de Jenny. Et les 77. Ça fait beaucoup, je trouve. C'est un peu beaucoup. Oui, mais c'est pour toute la semaine. Didi fait les questions et les réponses, tu as vu? C'est-à-dire que je m'y connais en la matière. Bon. Alors celle-là, je la range. Là, je le mets ici. Donc, je vais prendre l'After Tarot. Hein, ou le Casanova Tarot. Hein? Bon. Mais ça fait beaucoup. Alors, pour la pierre qui permet de passer
À l'action. Avec l'oracle de Marie, la mère universelle, que vous conseille-t-on? On a Notre-Dame de la vérité et Notre-Dame du recommencement. Purée, comme elles sont belles. Notre-Dame de la vérité et Notre-Dame du commencement. Du recommencement, pardon. Ouais, elles sont magnifiques. Donc là, il y a le fait de se connecter à son innocence, de dire sa vérité et le fait de s'autoriser à grandir en recommençant quelque chose. Ici, c'est aussi une étape de croissance. Waouh! Et on a Notre-Dame de l'amour hein, qui vous accompagne pendant toute la semaine. Donc là, je vais tout de suite aller demander qu'est-ce que c'est. Ceux qui ne connaissent pas la tête d'Alana Fairchild, voilà cette belle personne. Donc c'est la même, c'est le même auteur de Oracle Artisan de Lumière. Alors ici Notre-Dame de l'Amour, 42, l'école 42, le 42, la 42. Alors, ici, on vous dit Notre-Dame de l'amour, je suis amour, je t'appelle pour que tu rentres à la maison dans mon cœur. Je suis ta mère. Bon, je le fais sans rigoler. Je suis ta mère, tu es mon enfant. Il n'y a rien à craindre, il n'y a que l'amour. Rejette les doutes et détruis les murs qui t'ont tenu éloigné du monde. Entre dans la demeure sacrée du cœur, ouvre largement la porte pour me permettre d'y accéder et laisser l'amour se déverser et nourrir ton monde. Ici, Marie vous adresse la parole comme si le fait d'ouvrir votre cœur et de recevoir tout l'amour maternel, et ici je vois presque Gaïa, hein, de recevoir par votre cœur l'amour qu'elle a à répandre dans le monde va vous permettre d'irradier, de diffuser cet amour. L'amour vous appelle lorsque le moment est venu, même si vous n'êtes pas certain d'être prêt. Vous êtes invité à vous connecter à l'amour d'une manière plus profonde, complète et mystérieuse que jamais. Attends, vous êtes invité à vous connecter à l'amour d'une manière plus profonde, complète et mystérieuse que jamais. Ah! Qu'il s'agisse de réapprendre à aimer après une peine de cœur, de prendre le risque d'être vulnérable quand ordinairement vous auriez cherché à vous protéger, d'oser vous autoriser à ressentir vos émotions, etc., etc., l'amour est là. Ici, j'ai des gens qui vivent une véritable renaissance. Je vous rappelle qu'en dos de deck, on a Notre-Dame du recommencement. Donc ici, j'ai des gens qui, quel que soit ce que vous ayez vécu avant, regarde-moi même le dos de deck est magnifique. Magnifique. Quel que soit ce qui est vécu avant, ici, la cloche est sonnée pour ceux du deuxième tas, de la deuxième pierre. On vous invite à réouvrir votre cœur. Quelque chose de nouveau se présente à vous. Bon, bah dis donc, c'est beau, hein? Ça commence bien. Ça commence fort. Alors, il y a, du coup, ça fait un peu beaucoup de... 1, 2, 3, ce sera toi. On va garder celui-là pour la fin. J'enlève l'oracle bleu et je mets à la place l'améthyste love. Comme ça, on aura du sexe et de la love. Bien que le Casanova peut également nous parler d'amour. On a beaucoup de cartes d'amour ici, hein? En fait, on n'a qu'un seul tarot. Bon, c'est pas grave. Allez, on y va avec les 77 pour la semaine du 17. Puis il est déjà 11h. 11h. La semaine du 17 au 21. 46 minutes 46. Nous allons rester 2 heures ensemble pour les... Ouh là 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 là!
Alors ici, vous allez triompher d'un joyeux bazar. Ici, il y a pu avoir une union qui vous a, oh, qui vous a plongé dans le désarroi ou une union par rapport au... Ah, ici, j'ai des histoires de fesses ou des histoires parce qu'on était attiré par le charnel qui ont pu vous rendre triste. Hein. Ce n'était... Du coup, on était dénutris en amour. Hein. On triomphe de ça. C'était comme ça. Yeah. Wow. Oh, je sens du parfum là. Je me suis maquillée pourtant, mais je crois pas que je me sois parfumée. Ah oui, mais j'ai mis des poudres. J'ai mis des trucs de ouf là. Je crois que je dois avoir des paillettes sur le visage. Ah oui, j'ai pris des. Ça s'explique pas, on dirait une salle de bain de princesse. Faites-vous plaisir. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, ici, ta numéro 2. T'as de la pierre, le passage à l'action, qu'on ne sait toujours pas. Je vous retrouverai le hein, pierre verte avec des petits zigouigouis marrons. Je sais pas si tu vois bien. Voilà. Alors, je vais me les mettre à l'endroit, là, je vais me faire plaisir. Allez, et puis voilà. Je vais les mettre en face. Notre-Dame du recommencement purée. Là, on a vraiment le cœur qui s'ouvre. Et le cœur qui s'ouvre à l'amour, bien sûr. À l'amour, toujours. Ouais, ici, j'ai quelqu'un qui revient rapidement. Alors, c'est soit vous qui revenez rapidement, soit l'autre qui revient rapidement. Mais là, il y avait un manque de ouf. Alors, je ne sais pas si c'était pour vous. Pour moi, le manque, il était des deux côtés. On revient par l'autoroute, tu vois. Ce retour, c'est comme si vous fermiez les yeux sur le fait que... ici, j'ai des gens... Ah non, je t'attendais pas. Ah non, j'ai pas vécu, moi je l'avais. Ah non, non, non. Ici, peut-être on ferme les yeux sur comment on se sent bien avec la personne. Ici, il va y avoir des échanges, des nouvelles. Vous allez apprendre des nouvelles qui vont vous permettre de sortir d'une étape, hein, qui vont vous permettre de vous ouvrir. Alors, pour moi, il y a des choses qui ont pu être stabilisées. Ici, c'est la carte de la loi, c'est la carte de l'équilibre, c'est la carte de la balance, c'est la carte du yin et du yang. Donc, j'ai des gens qui reviennent, qui annoncent des nouvelles de retour, parce qu'il y a des choses qui ont été actées, stabilisées, etc. Pourtant, alors il y a eu un manque d'échange, mais là il y a un retour à l'harmonie. Donc c'est soit on s'ouvre, soit on ne s'ouvre pas. Donc là je vais rajouter une carte dessus. Ouais, il y a des gens en fait qui vont faire comme si ça va être constant en fait. Ah, l'ouverture peut aussi amener une régularité dans les échanges. Peut-être que c'était vous ou la personne qui ne pouviez pas communiquer parce qu'il y avait trop de trucs à faire. Ici, il y a des choses sur lesquelles on a fermé les yeux. Il y a des choses sur lesquelles on a fermé les yeux, notamment que peut-être il y avait des gens qui avaient envie que les choses se fassent rapidement et c'est ça qui a bloqué. Hein. On a aussi voulu fermer les yeux sur des imprévus, des choses qu'on n'avait pas prévues. En tout cas, là, ici, on a travaillé comme un fou par rapport à la solution. Le manque, par rapport au manque, il y avait peut-être des informations qui vous manquaient. Là, on vous dit que vous allez les avoir cette semaine. Sur quoi on fermait les yeux? Ici, c'est de la protection. Ici, c'est comme si vous ou l'autre fermait les yeux sur le fait que votre amour était protégé. Ou on s'en fout, on ne donne pas de nouvelles parce que l'amour est protégé. Mais là... L'impression, c'est pas il vous en cuira, mais voilà quoi. Ici, par rapport à la communication, il y a l'imprévu. Ici, j'ai quelqu'un qui, je sais pas pourquoi la personne, ouais, il y a un truc qui recommence là. Le renouveau du printemps. Il y a eu un imprévu aussi au printemps. Alors, est-ce qu'on a eu des nouvelles? Ici, pour moi, il y a un imprévu qui s'est passé au printemps, qui a provoqué un manque, et là, il y a quelque chose qui va être régulé. Il y a une ouverture de porte. Une ouverture de porte de clé, je te rappelle mes nouvelles boucles d'oreilles. Donc il y a des solutions qui sont trouvées. Oh, il y a des solutions qui sont trouvées.
Il y a des solutions qui sont trouvées, on se re-rencontre, on se voit et on vous dit oui. Derrière, il y a de la lumière et on vous dit que ça a pris du temps. Il y avait des gens qui n'avaient pas, qui n'étaient pas très clairs sur si on avait envie de se retrouver, si c'était possible de se retrouver. On y va avec le tarot de Casanova, accroche-toi aux branches pour les dessins. Alors merci de nous donner un message clair par rapport à la vie amoureuse, sexuelle, charnelle des personnes qui ont choisi la pierre verte qui nous permet de passer à l'action. Waouh! 10 de denier direct. Donc directement, là, on ne nous parle pas de sexe, on nous parle de quelqu'un qui a envie de construire. Je ne sais pas si tu as vu, j'étais obligée de faire un montage, car dès que j'ai montré la première carte de Casanova à la vidéo, il y a eu comme un blocage. Hein? Alors ici, avec le 3 de bâton, il y a des retrouvailles passionnelles et passionnées. Hein? Ouais. Ici, j'ai peut-être des gens qui se sont lassés d'une situation et qui sont ravis de vous retrouver, à moins que ce soit vous qui ayez été lassé d'une situation et qui ayez besoin de retrouver quelqu'un qui vous plaît. Donc là, j'ai le 7 de coupe. Avec cette carte du 7 de coupe, on a quelqu'un qui a peut-être pris du temps. Donc là, ça nous parle du passé, hein. Il y a eu un mariage, il y a eu une construction. Oui, je te remets les choses en ordre parce que si je te dis tout ce que je pense quand je le pense, c'est un petit peu le bordel des fois. Il y a eu un mariage dans lequel, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'au niveau sentimental, on avait peut-être besoin de réorganiser les choses, de revoir ses priorités. En tout cas, on a pu courtiser ou être courtisé. Vous pouvez être marié ou l'autre peut être marié, ou les deux peuvent être mariés, hein. Mais ici, il y a quelque chose qui est en train de se remettre en ordre au niveau sentimental. Ah, et avec le 6 d'épée, bah, alors c'est soit vous, soit l'autre. Bon, là, c'est quand même un tirage pour vous. A priori, ça parle de vous, mais ça peut très bien parler de votre autre. Vous adapterez. Ici, j'ai quelqu'un qui a quitté la situation. Ici, on a vu que on a construit quelque chose avec quelqu'un, avec quelqu'une, une famille. On a construit financièrement là le truc, mais au niveau sentimental, il y a des priorités qui ont été revues. On a bien réfléchi et on s'est barré. Alors ici, j'ai quoi? Il y a un cavalier de bâton, donc il y a beaucoup de passion et il y a quelqu'un au milieu qui est décidé à couper avec quelque chose. Alors c'est l'épée. Je dis que c'est le cavalier d'épée. Ici, il y a peut-être un truc sur lequel on va trancher. En tout cas, c'est ça. Donc ici, pour moi, avec cette carte du pape à l'envers, on a tranché, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, qui a tranché ses voeux de couple éternel, de mariage, avec quelqu'un, quelqu'une. Ici, j'ai un homme qui est au bout du rouleau, donc ça peut être vous, ça peut être l'autre, et ça peut bien sûr être une femme. Ici, j'ai quelqu'un qui portait beaucoup trop dans la relation. On a pu être passionné pour se séparer et puis finalement on n'aura pas flingué l'autre autant qu'on en avait envie. Mais ici il y avait quelque chose qui était plus vivable dans ce mariage. Hein. Mais pourtant on va retrouver quelqu'un d'autre. Ouais. Donc ce 10 d'épée, vraiment, même si on avait envie de mettre ça en action. Oh là 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 là. Non, c'est le 4 de quoi là? C'est le 4 de bâton. Ouais. 4 de bâton, tire-en les conclusions que tu veux. Quatre de bâton, c'est les vœux de mariage, hein. Les vœux de construire quelque chose de nouveau. C'est marrant, hein? J'ai quelqu'un qui a vraiment besoin d'être dans un cadre, hein. C'est marrant. Oh, le 2 d'épée, il y a une hésitation. Il y a une hésitation. Oh. Ouais.
Ici, on s'est peut-être pris beaucoup la tête par rapport à une histoire. On sort peut-être ruiné mentalement d'une histoire. On s'est beaucoup battu et du coup, on hésite. Et là, ce qu'on vous dit, c'est marrant parce qu'il y a l'hésitation de revoir quelqu'un et on vous dit la rencontre est la clé. Vous ne saurez que quand vous reverrez cette personne. Ah, alors. Oh. Alors ici, j'ai le 4 de denier. Tiens, je te mets pas les doigts. Oh. Et ça ne nous parle que de denier. Je vais te montrer le 2 de denier parce que la carte est excitante hein, pour ta semaine. Donc ici, l'as de denier, c'est le fait de commencer quelque chose au niveau du denier, hein, des sous, du matériel. Ici, le 2 de denier, ça dénote le fait de retrouver son équilibre. Ici, il y a vraiment le fait d'avoir le choix dans les partenaires, hein, peut-être d'avoir essayé plusieurs partenaires. On peut aussi parler d'histoire légère. En attendant, là, la conclusion du tirage, j'ai peut-être quelqu'un qui s'est séparé, hein, qui a divorcé, qui a été faire la fiesta. Certains, certaines diraient qui ont croqué les pommes. Donc ici, ça peut être un homme ou une femme hein, qui, après s'être libéré des liens du mariage, en a profité dans tous les sens parce que voilà, on a besoin de se retrouver, on a besoin de passer à autre chose. Et ici, j'ai quelqu'un qui on a pu sortir de cette épreuve et puis se rendre compte combien au niveau... Ici, c'est comme s'il y avait eu de la violence psychologique dans le couple. Hein. On s'est tellement battu qu'on n'en peut plus, quoi. C'est pour ça qu'on s'est barré, hein. C'est clair. Par contre, il y a des doutes par rapport à revivre quelque chose avec quelqu'un. Je crois que c'est assez facile d'aller vers les autres pour des choses vraiment anodines et simples. Ouais. C'est comme si on avait peur, en fait, si on va vers quelqu'un de... Soit de ne pas y trouver votre compte, soit que l'autre n'y trouve pas son compte. Et du coup, on aurait plus ce profil de Casanova. Bon, pour conclure le tirage, on parle quand même de choses qui vont doucement. Donc avec ce 4 de denier, on a un homme qui compte ses sous. Alors on a peut-être une femme qui est intéressée. Donc il y a peut-être cette peur d'avoir une femme ou un homme qui est intéressé par l'argent. Ici, avec cette notion de 4 de denier, on est dans le fait d'avoir suffisamment d'argent. Alors, en même temps, on est sur quelqu'un qui compte ses sous. Donc, est-ce que la personne a peur de ne pas avoir suffisamment d'argent? On est peut-être aussi dans une situation où on fait attention à ce qu'on donne, à qui. Hein? Et ici, on a ce valet de denier. Donc, ici, on a quelqu'un qui a envie de subvenir à vos besoins, de vous soutenir financièrement, mais on n'est même pas sur le cavalier, là on est sur le valet. Donc on est aussi peut-être sur quelqu'un qui reprend des études, qui retrouve une situation. Là c'est pas une grande stabilité financière, mais c'est on retrouve de quoi subvenir à ses besoins. Après on a la reine, après on a le roi, c'est un petit peu comme l'apothéose. Hein, ici on avait peut-être besoin de régler des choses financières pour retrouver un équilibre. Hein. C'est comme ça que je le perçois. En dos de deck, on a le 12 de coupe. Le 12 de coupe, le 12 de coupe, ici, ça n'existe pas dans les autres. On a des nouvelles d'un amoureux, d'une amoureuse. Vous pouvez avoir des nouvelles. Alors, soit c'est vous qui donnez des nouvelles à un amoureux, à une amoureuse après une période de séparation, que ce soit vous qui vous êtes séparés. Ça peut arriver que les deux se séparent en même temps, mais bon, c'est plus rare. En général, c'est toujours en quinconce. Hein, on n'a pas la même vitesse tous. Et puis, on le fait quand on est prêt. Ici, on peut avoir le retour de quelqu'un qui s'est séparé, qui a peut-être été un peu profité, mais qui en est vite revenu parce que c'est quelqu'un qui a besoin de construire hein, et d'investir. Ici, j'ai quelqu'un qui se sent bien dans des relations cadrées, protégées. Et en même temps, il y avait cette histoire d'amour protégé qui était là. Donc, de toute façon, vous allez avoir des nouvelles d'amour. Vers quoi on va? Ouh là 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 là! Madame!
Donc on va vers la dame de denier, c'est quelqu'un qui est conscient de sa valeur, qui a beaucoup de valeur et qui fait sentir aussi sa valeur à l'autre et qui a peut-être mis du temps à se laisser faire justement. Ici on a la carte 19, donc c'est le fait d'avancer. Ici on est sur les gondoles, n'est-ce pas? Ouais, on apprend peut-être des choses. Ouais. Ici, pour moi, ça va être la révélation de. On va avoir des explications par rapport à une dispute, hein, par rapport à une rupture, ou vous allez avoir de la lumière là-dessus, sur quelque chose que vous n'aviez pas compris. Oh, j'ai l'oreille droite qui siffle, je ne sais pas pour qui ça parle. Ah ouais, ici on a un 4 de couple là. Alors ici en même temps, le 4 de coupe, c'est quelque chose de stable, mais il y a peut-être quelqu'un. Ici on a peut-être quelqu'un qui a la possibilité d'avoir un nouvel amour, mais qui est peut-être dans sa tête encore sur un échec du passé. Ouais. Et en même temps, c'est comme si on vous demandait de faire preuve de tempérance, là, d'être raisonnable. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui ne s'est pas bien remis d'une rupture, hein. Bon, bah écoutez, on va voir si ça nous parle de travail ou d'amour avec l'oracle de Jenny. Je suis en train de regarder. Et si j'enlève tout ça? Ouais, c'était dur, hein. J'ai peut-être quelqu'un qui revient vers vous, madame ou monsieur, mais qui est près de ses sous. Pour moi, alors ça peut être près de ses sous, ça peut être près du temps qu'on donne. Ouais, on a la carte du désespoir, hein. Ici, j'ai des gens qui. On a pu perdre quelqu'un, on a pu échouer, et c'était quelque chose dont on rêvait, quoi. Peut-être j'ai des gens qui sont désespérés d'avoir foiré leur rêve. En général, c'est qu'on est prêt de l'accomplir, mais ce n'était pas comme on croyait. Et ici, on vous dit de prendre conscience que ça vous a permis de développer votre combativité, d'acquérir de la force, même si pour l'impression, vous avez l'impression d'être au 36e dessous. Peut-être aussi que vous avez été désespéré par rapport à quelque chose qui n'était que passionnel, qui n'était que charnel. Qu'il y avait vraiment beaucoup de plaisir, de volupté, mais que ça ne suffisait pas en fait. En même temps, ça a développé votre force, votre combativité. Ouais, vous avez eu des doutes là-dessus. Ah, peut-être vous avez été désespéré par rapport au fait de réaliser vos rêves, par rapport à une relation que vous ne pensiez que charnelle. Oh! Ici, il y a des regrets. Bon, toutes les cartes nous sont. On était peut-être dans le déni d'une histoire ou de quelque chose qui commence. Il y a eu une forme d'immaturité, hein, qui a été exprimée sur le plan. Il y a un joker ici. C'est comme si vous aviez une deuxième chance. Ici, par rapport à des nouveaux projets, par rapport à la naissance de quelque chose, il y a quelqu'un qui s'est comporté d'une manière. J'ai quelqu'un qui a honte, hein. On est triste, hein. Il y avait beaucoup de tristesse, de superficialité. Ah ouais, j'ai quelqu'un qui n'a pas assumé du tout, hein. On était dans le déni là. Oh là! Ouais, on avait peur. Et si on regrette d'avoir eu peur. Il y a quelqu'un qui était désespéré, qui était confus, qui avait peur, qui était triste. C'était vraiment la merde, hein. On ne pouvait pas faire mieux dans le pire. Bon bah écoute, c'est fait. Donc on va demander par rapport à des projets. Ouais, on regrette d'avoir bloqué des projets ici. Ici, pour moi, j'avais des gens qui avaient des doutes que la personne ambitionnée n'était que motivée par la passion du sexe. En même temps, ici, j'ai des personnes qui retrouvent une ambition particulière. Ouais, on a envie de sa deuxième chance ici. Pour moi, maintenant, on est sorti du désespoir, des doutes et de la peur. Ouais, et on va vers son épanouissement parce qu'on a changé d'état d'esprit. Ici, après avoir traversé une crise, on a changé d'état d'esprit. On va vers quelque chose de nouveau. Ben écoutez, ce sera surtout de l'amour, hein?
parler d'amour. C'est marrant. Hein. Ah, il y a eu une crise là, on nous parle de la même chose, hein. Une crise, quelque chose. Oh là 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 là! Ah, on a toutes les saisons là, on a tous les signes. Ici, il y a pu avoir une crise au printemps où il y a pu avoir un burn-out et un nouveau départ, mais genre on déménage. Au centre du tirage, on a une fin de cycle. Ici, j'ai aussi des gens qui ont pu faire vivre du chaud et froid à leur partenaire pas forcément officiel, n'est-ce pas? On a la carte de l'homme, réconciliation, nouveau projet. Bon, j'y vais, je pose et je vous dis. Alors, ici, on a une rencontre subite avec une personne inconnue. Il y a un coup de foudre. Ici, j'ai peut-être des gens qui ont vécu une grosse, grosse déception amoureuse qui les a mis en crise. Et là-dessus, ils ont eu un coup de foudre et je pense qu'ils sont partis en peut-être encore plus en cacahuète. Ou alors, ici, on a eu un coup de foudre parce qu'on a réussi à se sortir d'une épreuve ou d'une séparation et on s'est carrément installé directement avec la personne. Ici, il y a plusieurs cas de figure. Donc, soit on peut avoir emménagé chez quelqu'un après une crise de couple, avoir vécu, j'allais dire, son été. Et puis, ici, pour moi, j'ai du chaud et du froid. C'est-à-dire, c'était génial, on s'installe et en fait, c'est pas si fun. Et ici, j'ai aussi la personne qui se retrouve. Et pour moi, j'ai la personne qui, en changeant d'endroit, se guérit. Ici, par contre, par rapport aux techniques de chaud et de froid, de nouveau départ et que ça se refroidit et tout, on est méfiant. Et on se dit, est-ce que c'est l'homme qui est venu s'installer ou le truc qui a commencé sur les chapeaux de roue qui a été, bref, rusé, ou est-ce que c'est la personne qui a profité de la situation? Enfin bref, chacun voit midi à sa porte selon la personne que tu es. Ici, j'ai des gens qui ont eu besoin de se faire aider et qui ont eu besoin de se déménager, de déménager pour guérir, qui vont se réconcilier avec eux-mêmes. J'avais l'impression qu'on était dans une situation de merde depuis longtemps. On désespérait de ne pas avoir réussi ses rêves et on ne savait pas comment s'en sortir. Ici, j'ai quelque chose de nouveau qui a commencé, qui a été très chaleureux au départ, mais alors, j'ai ça et en même temps, j'ai un homme et j'ai de la méfiance. Donc, soit on se méfie d'un homme, ou soit vous étiez méfiante. C'est quoi cette histoire de coup de foudre? Ouais, ou on se méfie de quelque chose qui a commencé, qui est devenu froid, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez nous indiquer où on va? On nous parle d'aller vers de l'amour véritable. Ici, il y a peut-être une réconciliation. Oh merde, amour inconditionnel. Ah, on s'est méfié des gens qui avaient l'air légers et pendant longtemps, hein. Ça a pris du temps. Et là, j'ai la consultante. Ah, alors ici. Il y a pu avoir une crise de couple parce que à cause de techniques du chaud et du froid, ça peut être aussi, tu sais, la relation on-off. Et c'est pourtant un couple qui nous parle d'un amour véritable, mais ici, comme la femme en avait marre d'attendre, je pense qu'elle s'est pris un amant. J'allais dire un petit jeune. Un petit jeune bien habillé, hein? Ici, ouais, peut-être que c'est un homme qui se méfie justement parce que il sait que la dame est rusée, ou alors c'est l'inverse, hein, c'est une dame qui se méfie parce qu'elle sait très bien que l'homme qu'elle aime peut se transformer en Don Juan. N'est-ce pas? Il va y avoir une guérison de tout ça parce qu'il y a un amour véritable en fait, et les gens vont s'entendre, vont dire bon, bah voilà, on fait quelque chose ou on fait pas quelque chose. Ouais, et pour moi, c'est ça. L'amour envoûtant, il est partagé, mais du coup, peut-être qu'il y a un peu trop de passion. Il va y avoir un message qui va être envoyé. Alors, je ne sais pas si c'est du petit jeune, de l'autre, de la dame. Ouais.
Ici, pour moi, c'est qu'on ne veut plus du on-off. Il y a une relation qui est protégée. Pour moi, c'est celle de l'amour véritable, mais j'ai l'impression qu'on le cache. Pour moi, il y a des gens qui sont en couple là. Est-ce qu'ils vont réussir à le vivre? Et si personne ne fait rien pour vivre cette histoire de couple, il y aura une nouvelle rencontre dans 3 mois. Mais pour l'instant, vous êtes encore dans une phase de protection par rapport à ce couple-là. Alors, on y va avec l'oracle des artisans de lumière. Eh bien, dis donc, 40 minutes. Eh bien, ouais, ça fera une deuxième fois 40 minutes. Donc, plus amour hein, pour le deuxième tas de passage à l'action. Alors, avec nos artisans de lumière, on nous parle de reprendre son pouvoir. Ici, j'ai quelqu'un qui reprend son pouvoir dans sa vie. Parce qu'on arrive à retrouver sa place sous la jupe de sa mère. On se laisse pousser les ailes. Et ici, juste en dessous, vous avez tenez votre position. Je ne dis pas d'être têtu, je dis de tenir sa position fermement quand on est convaincu en profondeur de quelque chose. Peut-être même vous n'avez pas d'argument, mais vous savez que c'est important. Ici, on parle également de service spirituel et de sombre nuit de l'âme. Ici, j'ai des gens qui viennent de passer un cap spirituel compliqué. Ici, on a pu se déconnecter de beaucoup de choses pour se reconnecter à soi. Et on ne se rendait pas compte du boulot qu'il y avait à faire. Et du coup, il y a une partie de votre âme qui se met directement, j'allais dire au service de Dieu, choisissez le mot qu'il vous faut, hein. Ici, j'ai le fait d'accepter d'être une partie du tout et de mettre son énergie au service de quelque chose de plus grand. C'est OK, maintenant qu'on a traversé notre nuit noire de l'âme. Ici, cette partie-là vous permet de reprendre du pouvoir dans votre vie parce que plus vous allez faire ce pourquoi vous êtes venu sur Terre, et plus ça va vous permettre d'avoir votre, j'allais dire, votre petite vie à vous. Mais parce que vous avez fait la grande mission pour laquelle vous êtes venu. Et ici, j'ai la carte 44 qui nous parle des anges et du septième rayon, du rituel et de l'ordre cérémoniel. Alors avec cette carte, j'ai l'impression que maintenant que vous savez qui vous êtes, que vous avez traversé votre nuit noire de l'âme, que vous êtes revenu au pilotage, hein, au centre de votre vie, de reprendre, ici, de reprendre les clés, hein, de comprendre que vous aviez la force de faire ce que vous aviez à faire. Je vais quand même vous lire la carte. Mais pour moi, il y a le fait d'acter quelque chose et de s'engager. Et ici, on n'a plus besoin d'église, on n'a plus, c'est son propre rituel. Alors, lorsque vous recevez le don du septième rayon, c'est que quelque chose de nouveau est en train de se former, quelque chose qui sera bénéfique pour votre monde. Il peut y avoir un intérêt accru pour la magie et les rituels cérémoniels à des fins de guérison. Le septième rayon résonne avec la lumière violette. Améthyste à fond. Attends, du coup, j'ai perdu la ligne. Il faut vraiment que je remette mes lunettes. À la fréquence élevée est l'archange Zadkiel. Il aide à la transmutation de l'énergie des fréquences basses aux fréquences supérieures. C'est un agent nettoyant spirituel. Oh, je me rappelle de Monsieur Propre. Oh, on en avait parlé, ça. Clin d'œil à Mrs. Propre. Qui permet la vérité de la liberté spirituelle, la capacité et le choix d'être vu et senti, redonnant au cœur l'espoir et la joie. On vous rappelle que le septième rayon est très actif sur Terre à l'heure actuelle et qu'il affecte toute l'humanité. Le septième rayon est tiraillé entre l'ancien et le nouveau. La vie d'avant ne peut pas continuer sous la même forme et la nouvelle vie qui veut émerger à partir de l'ancienne. Il respecte les traditions et la sagesse ancestrale. C'est marrant parce qu'en cela, ça rejoint le premier tas 1 de la semaine, qui servent la nouvelle vie. Lorsque le septième rayon entre dans votre vie, il vous est demandé d'équilibrer votre attachement à ce qui a été par une ouverture d'esprit vis-à-vis du nouveau. Faites un vœu.
C'est le moment d'oser sans crainte remettre en question ce qui a été et de respecter ce qui continue à avoir de la valeur à vos yeux et de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. On me demande d'arrêter là. I'll do. Voilà. Donc on vous dit de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Et surtout de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. On a été plusieurs à déjà débarrasser nos appartements et nos maisons. On vous conseille de continuer. Vous reprenez votre pouvoir sur votre vie. Je ne sais même plus où j'en étais. Où elle est la carte? Ah, ici, elle est juste devant moi. On a le cœur cosmique et le Christ cosmique. Je vous montre, mais je ne vais pas l'interpréter. On terminera là-dessus, sur la force du cœur. Je vous fais de gros, gros bisous. J'espère que cette guidance de la semaine vous permettra de surfer au mieux sur les énergies, que vous avez fait preuve de discernement en ne prenant que les messages qui étaient prêts pour vous. C'est ceux qui vous font quelque chose quand vous avez l'impression que je vous parle à vous et les autres. Il faut laisser glisser. Tout ne peut pas être pour vous. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de réouvrir votre cœur. N'oubliez pas qu'il y a des exercices de gratitude et de respiration qui vous permettent de reconnecter avec la belle énergie que vous avez, la belle énergie qui est prévue pour vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour les vidéos de la semaine. Et puis, nous attaquerons les vidéos thématiques. Donc, il n'y en aura peut-être pas une par jour, mais qui sait ? Puisque ça fait de la place. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne de Didi. Merci d'être là, de vous être abonné, d'avoir liké et de partager. Bisous.